Flug 3334 nach Paris ist nun zum Einsteigen bereit. Celui-là, c'est le pied aussi. Je vais le rajouter, c'est sûr. Et comme ça, mon album est fini. Je sais pas. Quoi, tu sais pas? À cause de ce morceau? J'ai écouté toutes tes nouvelles créations. Prends ton temps. Tu peux en tirer beaucoup plus. Tes dernières trouvailles sont assez banales. Très vieux jeu, je peux dire. Reprends-toi en main et revois tout ça tranquillement. Concentre-toi. Relax. Relax, oui. Mais comment, je joue tout le temps? Qu'est-ce que t'as contre mes nouveaux morceaux? T'as pas dû bien les écouter, c'est tout. Ça déménage, point à la ligne. Le nouvel album peut sortir. Ouais, présent. Salut Ika, c'est moi. Herbs, comment va? Je peux venir te voir? Ouais, monte. D'accord, j'arrive. Oui, mais c'est les impôts qui me font une mise en demeure. Ils vont pas bien ou quoi? Je sais qu'on doit plus rien. Tout est payé. Le week-end du 15 et 16, ce serait peut-être bien le... Ah bon? Ouais, d'accord, génial. Ah non, le 14, 15, 16, je peux pas. Je serai pas là. Ça va, Mathilde? Salut. Non, ça dépend que d'une seule chose. De quand l'album va sortir.
Ok, écoute, je te rappelle dès que j'aurai mis au point le planning de la tournée. Mais toi, surtout, tu oublies pas d'étudier la proposition de Moscou. Ça irait bien avec l'ensemble. Bon, bah, salut. Oui, Alice, je vais lui parler, d'accord. Je veux pas que Herb se foute les pieds chez nous, dans notre appart. Oui, maman. C'est quoi, de la kétamine? T'as vraiment besoin de ça pour fantasmer? Je me relaxe, c'est tout. C'est seulement une tronçonneuse, Icar. Il faut bien qu'il fasse leur travail dehors. Sur le starting block. Ah, c'était le fun, tu sais. J'ai envie de faire un peu la fête. Tu viens avec moi? Petite? Non, moi ça va, c'est bon. T'étais en Hollande, on m'a dit. Le festival en plein air. Ah. Mmh. Comment tu sais ça? C'était sur ton site. Ah bon? Hein? Ouais. En Hollande, en France. Je viens de rentrer. Et alors, ta copine? Bah, elle m'accompagne toujours, tu le sais, non? Et toi, ça va? Ouais, tranquille. Toujours en apprentissage? Ouais, mais ça me gonfle. Tu voulais pas chanter, Jenny? Oh, j'en sais rien. Où t'en es de ton nouvel album? Il émerge quand? L'album? Hein? Bientôt. Il va sortir et puis disparaître. Et là, tu fais quoi? J'ai un rendez-vous. Important? Tu l'as dit. Ouais. Non. Où tu veux aller? Tu vas encore faire des heures sup. C'est l'anniversaire de mon père. Vrai? Ouais.
Le travail est à l'homme ce que le vol est à l'oiseau, nous enseigne Martin Luther. Chaque être humain a un travail qui lui est propre, pour lequel notre Seigneur l'a mis au monde. En accomplissant la tâche qui lui incombe, il se met au service de son prochain. Servir son prochain implique bien d'autres choses encore. Par exemple, prendre conscience de l'environnement et le préserver. C'est un scandale de voir combien l'homme moderne s'est rendu dépendant des avions. Le changement climatique, le réchauffement de la planète sont à mettre sur le compte de l'irresponsabilité humaine. L'humanité doit faire face au plus grand défi qui ait jamais existé. Nous devons changer notre comportement. Faute de quoi, nous détruirons les conditions de vie sur cette Terre pour toutes les générations futures. L'homme doit comprendre qu'il doit agir en être responsable. Oui, l'atmosphère au boulot est super. Et j'aimerais bien rester là-bas. Le bureau a de gros projets et suivant l'état du marché, il faut que j'attende de voir si on me propose un contrat ferme. C'est ton combienième stage? C'est pas la peine de répondre à ça, Stéphane. Non, mais attends, ils lui collent des stages les uns après les autres et ils se font du fric sur son dos. Oh, c'est pas vrai. T'étudies jusqu'à 30 ans, puis tu te coltines des stages jusqu'à 40 et ensuite? Bah t'es trop vieux et tu vis de l'aide sociale. Joli système. Mais il essaie au moins. Et crois-moi, il a déjà fait un grand chemin. Il a son bac, il a mené ses études jusqu'au bout. Mais enfin, ça veut dire quoi, ce baratin? Moi, je gagne mon fric depuis que j'ai 18 ans. Alors, je vois pas où est le problème. À savoir combien de temps ça va durer? T'as pas l'air en bonne santé? Oh, arrêtez. Ika a raison, c'est vrai qu'on nous exploite. À la tienne, papa. Et à la vôtre. Un bon anniversaire, papa. Merci. Non, merci, je travaille cette nuit. Que devient ton amie Mathilde? Comment va-t-elle? Oh, ça va. Et ton nouvel album? Il sera super. Il n'y a plus qu'à finaliser. Ouais. Je suis en plein dedans. Ensuite, on se barre en vacances avec Mathilde. Dans le sud de la France. Organiser son nouveau mix chez moi? Il faut que je bloque des dates, alors. Pour quand voulez-vous? Il faut que j'en parle avec sa maison de disques, avec Alice. Bon, alors, je le marque déjà que théoriquement, ça se placerait là. Je trouverais super qu'on puisse faire son mix dans votre boîte. Moi aussi. Corinna, j'arrive tout de suite. Ça va? Ça va.
T'as pas vu Ika? Il doit être par là. Je l'ai vu sur scène et ensuite plus. Bon, eh ben, continue de chercher. Hé! Si tu veux me voir, tu me trouveras à l'entrée, ma jolie. Est-ce que t'as vu Icarus? Tout à l'heure, ouais. Tu lui as donné quelque chose? Je t'ai posé une question. Mais ça va, qu'est-ce que tu me veux? Arrête! Qu'est-ce que tu lui as fourgué, Herbs? Pilule, MDMA, pas beaucoup. T'en veux aussi? Non. Donne-moi deux. Pour toi, c'est cadeau. Elles sont bonnes, ça vient du Benelux. Commence par un quart, c'est plutôt fort, tu sais. Je veux pas que tu donnes à Icarus du cristal ou autre chose qui lui explose la cervelle. Est-ce que tu me comprends? Pas de Keta, pas de cristal. T'as pigé ce que je te dis? Ouais. Par le trouver. Donne ta main. Voilà. Non. Tu fais quoi ensuite? Pourquoi? Après, j'ai quartier libre. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que t'as? Rien, j'ai rien. Voilà. Excusez-moi, vous êtes client dans notre hôtel? Et je dois dire qu'ici, le petit-déj, c'est vraiment un délice.
Mais par contre, il fait chaud. Vous sentez, c'est lourd. Une vraie canicule. Merde, je saigne. Ah ben oui, je saigne. Votre ami se porte bien. Actuellement, il est aux urgences psychiatriques, mais j'aimerais le faire transférer dans le service ouvert. Par chance, nous avons encore une place de libre. Si vous pouviez lui apporter quelques affaires, de quoi se changer, tout ce dont il peut avoir besoin. Ses vêtements étaient couverts de yaourt, nous les avons donnés à nettoyer. Combien de temps pensez-vous devoir le garder? Il nous faut d'abord établir si son addiction aux drogues est forte ou si elle diminue, ou bien si des symptômes psychotiques persistent. Lorsqu'on diagnostique une lourde intoxication, l'assurance maladie prend en charge un séjour de 7 jours. Pour les cas plus graves, 21 jours. Le plus important est de déterminer quel genre de pilule votre ami a pu ingérer. Ça vous aiderait peut-être d'analyser ces pilules. Je crois qu'Icarus a dû en prendre quelques-unes. Bonjour Monsieur Caro, je m'appelle Alex. J'effectue mon service civil ici et j'ai besoin d'un de vos cheveux et d'un test d'urine. Mais pour les cheveux, je crois qu'on va laisser tomber. Tu serais pas le DJ Icarus? Oui, c'est moi Icarus. Oh, pas ça alors! Oh mon Dieu! L'année dernière, j'ai vu le live d'Akfoot et je me suis éclaté en dansant et... le truc d'enfer! Ouais, c'était... Ouais... Je suis content de te voir. Comment allez-vous? Sauvage, le flip d'hier. Que voulez-vous dire? Normalement, l'extasie, c'est pas comme ça. Killer pilule, ce truc-là. Un truc dégueulasse. Putain, j'avais encore jamais transpiré comme ça. Tout à coup, j'ai vraiment eu peur. De quoi? De moi-même, j'imagine. J'ai cru que mon cœur s'arrêtait de battre. J'ai vu ma mort. De quoi elle avait l'air, votre mort? La mort me regardait et me disait bonjour. Et maintenant, comment vous sentez-vous? J'ai encore des palpitations. Mais... ça va maintenant. Dans quelques jours, nous aurons les résultats du labo et alors nous verrons. J'ai hâte de savoir quel cachet vous avez ingurgité. Ah, j'aimerais notifier que votre séjour parmi nous est volontaire. Si je supporte plus, je m'en irai. Exact. Dans la journée, vous pouvez vous promener dans le parc, mais le soir, le portail est fermé. Si vous voulez quitter la clinique, vous devez venir m'en informer. Je peux faire venir mon matériel avec mon PC et mon clavier? C'est quoi ce clavier? Pour mon ordinateur. Un appareil avec des boutons pour faire de la musique, pour travailler. Ah, oui.
Vous pouvez bien sûr travailler ici tant que vous ne gênez pas les autres. Alors d'accord. Je veux bien rester pour attendre les résultats. Et pas un jour de plus. Bien. Professeur Docteur Petra Paul. Drogue, art et rébellion. Andreas Bader, addict aux amphétamines. Aldous Huxley au LSD. Rainer Werner Fassbinder à la cocaïne. Le médecin berlinois Petra Paul réexamine ses années d'études d'un point de vue scientifique en tant que neurologue. Je vous le prête si vous voulez. Non, merci. C'est très drôle. Tu te fais du souci pour les concerts? Les concerts, on annule, c'est facile. On trouvera d'autres dates disponibles. Je me fais du souci pour toi. Oh, tu crois pas que tu dramatises? Regarde autour de toi. L'important, c'est l'album, ok? Il va être super, et ensuite on part en vacances, ok? On attend que ça vienne du labo et on se tire en courant. Tu fais quoi, là? Je règle un truc. La nanette qui était là, c'est ta copine? Ouais. Tu veux un tuyau? Méfie-toi de la doctoresse. Elle va te bousiller. La séance de kiné, je vous emmène. Non, pas question, j'ai mon album à terminer. On peut l'écouter, votre musique? Thank you.
fait, c'est plus un truc pour Dancefloor, pas pour les fêlés. Je trouve ça plutôt sombre, presque dépressif. Vous voulez dire mélancolique? Je vais vous faire écouter du dépressif. Je préférerais que vous m'accompagniez en kinésithérapie et en psychothérapie de groupe. Non. Ne dites pas tout de suite non, Monsieur Carreau. On va inspirer et on va fermer les yeux. Michael, ferme tes yeux. Reste calme et essaie de fermer les yeux. Tu vas y arriver. Tout doucement, Michael. Doucement, inspire et ferme tes yeux. Tu restes calme et tu penses à la BMW noire. Michael, pense à la BMW noire. Tu n'as pas peur et tu fermes les yeux. Et on veut saisir les étoiles. On tire pour saisir les étoiles. Et on expire. Et on inspire et on tire, Monsieur Carreau. Je sais que ces exercices ne vous sont pas habituels, mais peut-être pourriez-vous développer un nouveau rapport avec votre corps. Vous êtes terriblement tendu. On inspire et on tire en haut. On s'étire jusqu'aux étoiles. Et on expire. On inspire, oui, Monsieur Carreau, ça c'est bien. Michael, tu as fait de grands progrès. Demain matin, on ira se promener ensemble. On ira dehors. Merci de ta collaboration. Bien, Pete, maintenant c'est à toi. La dernière fois, j'ai déjà tout raconté. Qu'est-ce que je dois encore dire? On en était au moment où toute la police de Leipzig était derrière toi. Mais c'est des conneries, tout ça. C'est faux. Mon problème, c'est pas la police de Leipzig, c'est tous vos cachets de merde. Sans vos cachets de merde, je serais déjà sorti depuis longtemps et là, je finirais mon apprentissage. C'est pas la police de Leipzig, parce que c'est vous le problème. Mais Pete, on a déjà eu cette discussion. Si vous me donnez encore vos médicaments, je dirai plus rien. Bon, très bien. Et vous, Monsieur Carreau? Vous ne voulez pas vous asseoir sur le ballon? Sûrement pas. Bien. Pete, tu fais quoi, là? Mon Dieu, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche mon t-shirt USA! Quel t-shirt? Mon t-shirt USA! Il est plus là! Pete, ton t-shirt, tu l'as sur toi? Pete, c'est pas si grave. Alors, comment il va? Mieux. Il dort, il a pris ses médicaments. Qu'est-ce qu'il a, au fait? Crystal meth. Waouh, le cristal, c'est hardcore. Et lui, là? Lui, c'est Gebhardt. Goa Gebhardt. Ses parents l'ont cherché pendant un an en Inde et ils ont fini par le retrouver. Il a explosé ses neurones au LSD. Un mauvais trip et son copain s'est noyé en mer. Depuis, il parle plus un mot. Rien du tout. Avec un bac mention très bien. Bonne nuit, Ika. Bonne nuit. Ah!
Zika. Qu'est-ce que tu as? La télé est trop forte? Il y a de l'eau partout. Quoi? Fais faire quelque chose. Viens, viens, viens. Suis-moi, viens. Ici? Jamal, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Calme-toi, calme-toi. Non, Pas long. Il faut l'arrêter. Viens, relève-toi. Attends. Regarde-moi, ouvre ta main. Tiens, bouge plus. Oui. Dans vos résultats, on a trouvé à peu près tout ce qu'il y a sur le marché. THC, kétamine, MDMA, MDA, amphétamine, cocaïne. C'est-à-dire tout sauf de l'héroïne. Votre taux de cocaïne est extrêmement élevé, Monsieur Caro. Et les recherches sur la composition des pilules sont tout aussi préoccupantes. Dans cette pilule, il y a 100 mg de MDA au lieu de MDMA. Et ce qui m'inquiète le plus, ce sont les 40 mg d'un produit hautement nocif nommé PMA dans la pilule. Le PMA est un hallucinogène particulièrement puissant qui provoque une forte hausse de la pression artérielle et de la température. La drogue PMA peut le cas échéant être mortelle. Monsieur Caro, vous pouvez bien sûr vous en aller, mais je ne peux que trop vous conseiller de faire une réelle pause. Avec notre aide médicale, bien sûr. De toute façon, on arrête la promo et on met l'album au frigo. Non, tu peux pas faire ça. Mathilde, j'ai déjà arrêté la promo et je suis passée à une autre production. Mais enfin, quand Ika va la prendre, je te jure qu'il va péter les plombs. Ika doit se mettre au régime sec. Tu te fais du souci pour ton boulot? Tu pourrais m'aider pour la promo de Mike ou de Patricia? Crois-moi, il te fatiguerait moins qu'Icarus. Il s'agit pas de moi dans cette histoire, Alice. Et puis, j'ai aucune envie de m'occuper de la carrière d'autres DJ. Écoute, j'aimerais attendre les deux prochaines semaines avant de décider. Non, Mathilde, le chapitre est clos. Dès qu'Ika sera redevenue normale, on reparlera de son album. Mais pas avant. Eh ben, on annule le mix de ce cher Icarus, une nouvelle fois. Et on remet à plus tard. T'auras un job pour moi. Juste en attendant, quoi. Tu veux l'entrée ou le bar? L'entrée. Avec Corinna, comme avant. T'en veux une? Pourtant, Ika a toujours su ce qu'il faisait. C'est quoi cette pilule qu'il a ravagée? Une pilule dégueulasse. Il y avait du PMA dedans, a dit la Toubib. PMA? C'est quoi ce truc-là? Il paraît que c'est très dangereux. Où il l'a eu? Ici? Je peux pas tolérer ça. Je veux pas de ce genre de pilule dans ma boîte. Qui vend ça chez moi? Herbse? Mais tu reviens plus, connard!
Hey Pete, c'est pas marrant comme ça. Mon Dieu, je joue normalement, c'est pas une partie de tennis. J'ai plus envie. Alex, faut que je sorte un moment. Les mecs me rendent fou ici. Fais-moi ouvrir le portail. Ouais, mais t'as demandé à Madame Paul ? Mais elle est pas là ! Je suis en service ouvert ici. C'est pas une prison, non ? Allez. Je sais, mais c'est toujours mieux si Madame Paul est prévenue. Mais comment on fait si elle est pas là ? Je vais à la station-service m'acheter des clopes. Faut vraiment que je quitte tous ces fêlés. Ouais, mais alors, rapide, hein, tu reviens vite, Ika. 10 minutes ! Salut. Salut. Désolé pour les pilules, hein. Je savais pas que c'était une belle saloperie. Des 3 jobs qu'on me propose, faut que t'en acceptes un. Moi, ils m'ont envoyé dans un débit de boisson où je devais récupérer les bouteilles vides. J'étais devant une machine où les gens déposaient leurs bouteilles que je rangeais ensuite dans des caisses. Et puis l'autre jour, une espèce d'abruti a apporté de mauvaises bouteilles et la machine a fait un barouf d'enfer. Alors je lui dis en passant une tête que la machine refusait et qu'il devait remporter ses mauvaises bouteilles. Alors le type pète un câble et fracasse ses bouteilles tout autour. 10 minutes plus tard, se pointe l'hygiène. Je me suis cassé vite fait avec ma marchandise. Et pourquoi tu fais ce genre de plan foireux ? Non, c'est cool. Dans le coin, ça passe inaperçu. Personne te demande ce que tu fais. Je peux la porter au supermarché, on vérifie pas. Mais je vais bientôt arrêter. J'ai un copain qui va me trouver un vrai boulot. C'est vrai, ça ? Il travaille dans les assurances, il vend des rentes, des voitures, des assurances vie, enfin tout le bazar. Je pense que ça m'irait bien. Je connais plein de gens. Et bon, c'est mon truc, non ? Ouais, présent. Alex ? À la clinique ? Non, je garantis rien. Je suis en réunion, mon pote. Ouais, pour mon album. Ciao. Il va me lâcher, ce mec. Tu peux y aller, ça le fait. T'es là aussi ? Ouais, je viens d'arriver. Alors, comment tu vas, toi ? Où t'étais passé tout ce temps ? Oh, Londres, Bruxelles, je viens de rentrer. Et toi ? Tranquille. Alors, t'as bien tout ce qu'il te faut ? Prêt pour t'éclater ? Pour m'éclater ? Bien sûr. Ouais, et ta copine ? Aucune idée. Ah ouais ? Alors ? Thank you.
veux aussi une? Non. Je m'en fais une. Dis-moi, où est l'extrait du Japon que j'avais classé là? 2002. Regarde-moi. Fous-moi le camp, Ika. Je veux d'abord retrouver cet extrait. Hé, tu m'as entendu? Je t'ai dit de foutre le camp! J'en ai marre de ton égocentrisme, ça me donne envie de vomir! Dis-moi, est-ce que je te dis ce que tu dois faire ou ce que tu dois pas faire? Je t'ai fait des reproches pour Connie? Non. Tu baises avec qui tu veux. Ça m'est égal. Mais ça me fout les glandes de devoir jouer les scènes toute la journée, ok? Et passer ton temps à vouloir m'imposer tes règles. Ça m'énerve, vraiment. Je m'en vais. L'album, ça va vraiment être top. Il y a des choses superbes. Il faut qu'on parle. Alice a tout décommandé, elle veut repousser l'album. Quoi? Décommander et repousser l'album? Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai! Calme-toi. Alice veut seulement que tout redevienne normal. Normal? Je vais lui claquer la gueule à cette connasse. Elle va savoir ce qui est normal. Reste là, il faut que tu dormes d'abord, hein? It's a different thing. I'm also paying a pourquoi t'as décommandé mon album? I can do that all the pourquoi time. It costs me too much. Tu crois me traiter comme une merde? No, I just... Si tu veux plus de moi, dis-le! I'm sorry, you're still there. Je suis plus dans ta conception artistique! I go to another room. Have a minute. We'll be right back.
carreau. Vous devez passer me voir quand vous voulez sortir de la clinique. Alexander, ramène-le-moi. C'est à toi de payer les pots cassés maintenant. Vous pouvez commencer. Alex, c'est quoi ça? On me donne une surdose? Madame Paul m'a dit de t'en donner une plaquette par sécurité, si t'es d'accord. Cette chère Madame Paul aurait pu me le dire. Quand même, c'était cool la danse, Ika. Les plus légers. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander si je pouvais aller en ville. Il faut que je parle à ma copine. Je me suis mal comporté et j'aimerais me rattraper. Non. Ou bien vous restez ici et vous collaborez, ou bien vous vous en allez. Mais c'est important, il faut que je m'excuse. Vous pouvez prendre vos affaires et vous en aller. Mais entrer et sortir sans arrêt, ça n'a plus aucun sens. Ça, c'est drôle, ça. Vous êtes bien une 68 art de merde, hein? Se prétendre libéral pour être finalement qu'une éternelle réactionnaire? Oh, 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 Jimin! C'est Ika! Salut ma puce!
Salut. Mathilde est là? Il faut que je lui parle, c'est urgent. Je pense pas qu'elle ait envie de te voir. Ouais, je voulais m'excuser aussi, j'ai été super con, je sais, mais il faut qu'elle voie cette lettre là, c'est urgent. Ils veulent 25 000 euros d'arriérés d'impôts. Est-ce que je prendrais ce fric, moi? Qu'est-ce que je dois leur répondre? Bouge pas, je lui demande. Mathilde dit que les impôts de 99 à 2003, c'était avant elle, que ça la regarde pas. Elle veut pas te voir non plus. C'est quoi ce plan? Je veux la voir. Alors tu te reprends et tu deviens enfin adulte, espèce de paumé. C'est bien que tu sois là, Eka. Tu peux te chercher un autre label. Écoute, je suis venu pour m'excuser. Et te demander une petite avance à cause des impôts. Non, je te prêterai plus rien. Et je veux même plus t'écouter. Mais quoi? Je suis toujours un peu nerveux. Quand je démarre un album, tu sais bien que c'est pas méchant. Non, j'en ai ma claque. Musicalement, t'étais pas mauvais. Mais le cerveau a jamais suivi. Hé, hey, c'est moi qui ai fait monter ta boîte! Je suis dans ce métier depuis plus longtemps que toi, Eka. Tu te crois plus fort que les autres. Et tu vois, c'est ça ton problème. Bonne chance. Herbs! Hey, Eka! Off. Alex! Alors, mon canard, ça roule? Salut, Ika. Comment ça va? Sublime! Mon nouveau disque, c'est le pied. Je vais être riche. Hé, Ika! Et puis, trouvez mon PC. Et mon synthé. C'est la sorcière qui est venue tout piquer. Où est mon ordinateur? Monsieur Caro, nous pouvons fixer un rendez-vous. Pardon? Là, je m'en vais. Où est mon ordinateur? Cette musique vous perturbe, cette musique vous fait sortir de vos gonds. Parlez pas d'une musique à laquelle vous comprenez rien. Rendez-moi mon ordinateur, ou il y aura ici une émeute comme vous n'en avez jamais vu. Vous mettez l'eau à la bouche. Quand demain vous quitterez la clinique, vous aurez votre ordinateur. Sortez, je ne veux plus vous voir. Dehors! Oui, bonjour. Nous organisons ce soir une petite fête entre hommes et on aimerait recevoir deux de vos dames. Non, pas vraiment, juste pour s'amuser. Bon, pas trop jeune, pas trop vieille, mais des gros seins. Une atmosphère sympathique. Une petite fête avant de se quitter? Non, je crois que... Quoi?
La psy me fout dehors et tu veux pas que je vous fasse mes adieux? C'est bien ça, hein? Alors tu me prives de ma petite fête d'adieu, hein? Non, mais... Toi. Les garçons, on se fait une petite fête d'adieu? Qu'est-ce que vous dites de ça? La psy me fout dehors et j'ai même pas le droit à ma petite fête d'adieu avec vous. Alors réagissez, quoi. Goa Gebhardt, dis quelque chose, vas-y. Franz. Misha, on se comprend, hein? Pete, on va se laisser faire par la sorcière? Oh non, sûrement pas. Bon alors, Alex, à l'unanimité, file-moi les clés. Pourquoi tu veux les clés? Eh ben des canettes, des clopes! À la station-service, pour ma fête d'adieu. Ça, c'est une bonne idée. Une dernière petite bière avec Ika, moi j'en suis. Ouais, et en plus, vu que je suis viré, je peux entrer et sortir comme je veux, non? C'est vrai. Non, Ika, ça c'est... Allez, file-les-moi. Alex, fais ce qu'il te dit. File-lui les clés. Allez, vas-y. Alex! Alex. Alex, file-lui. Alex, la... Non, attendez, les gars. Putain, fais pas ça. Reste tranquille. Alex, la fête. Hé, Ika. Tu pousses pas le bouchon trop loin, hein. 4 bières, pas plus. Salut, je suis Alex. Salut. T'as le fric? Ouais. 300, c'est ça? 300, ouais. Entrez, mesdames. Faudra pas vous étonner, les garçons sont un peu bizarres, mais adorables au fond. Simplement, ils ont pas vu de femme depuis longtemps. Tu travailles ici? Ouais. Il y a longtemps? Ouais, 3 ans environ. J'ai fait mon apprentissage ici. Et depuis, je suis resté. Tu sais ce que j'ai aussi? Non, qu'est-ce que t'as? Des hallucinogènes. Un vrai pied. Vous en voulez? Ouais, donne. Thank you.
l'ordinateur. Mais comment pouvez-vous tolérer qu'un gamin de 19 ans en service civil, tout seul ici la nuit, endosse une pareille responsabilité? Vous êtes encore plus responsable que lui. Évidemment que c'est grave qu'un garçon en service civil doive porter une telle charge, mais ce n'est pas ma faute. Je m'en plains depuis des années. Je veux qu'Icarus soit relâché sur le champ. Ici, il devient encore plus fou qu'il n'est. Je vais appeler un taxi et je vais l'emmener avec moi. Je dois malheureusement m'y opposer, je suis désolée. Les épisodes schizophréniques de Monsieur Caro sont imprévisibles, il est un danger pour lui et pour les autres. Il n'est pas envisageable que je l'autorise à sortir actuellement. Mais comment ça, l'autoriser à sortir? Je croyais qu'il était ici de son plein gré. Vous êtes une menteuse, docteur. Pour vous, Ika n'est qu'un exemple de référence, un cobaye pour vos études de cinglé. Sur les consommations de drogues mélangées et leurs conséquences uniquement dans le but d'être une célébrité. Ika est un musicien, un artiste. Vous ne pouvez pas le traiter comme vos autres patients. Si vous ne le laissez pas sortir, je prendrai un avocat. Mademoiselle Mayer-Telkes, lorsque chez un patient, je constate qu'il est peut-être capable de suicide ou bien même qu'il est potentiellement dangereux pour autrui, je n'ai pas le droit de le laisser sortir. Si vous voulez en référer à la justice, je vous expliquerai comment procéder. Ça fait partie de mes devoirs. Avait 13 ans, Stéphane 18, lorsque brusquement leur mère est morte. En même temps, ça a été la chute du mur. Si bien que d'un jour à l'autre, tout a changé pour mes deux garçons. Stéphane s'est replié sur lui-même sans aucune réaction. Et Martin, d'un seul coup, s'est rebaptisé DJ Icarus. Il a interrompu l'école et a passé presque toute sa puberté à hanter les discothèques. J'ai toujours eu le sentiment que j'étais dépassé par l'éducation de mes deux fils. À présent, Stéphane progresse tout à fait normalement, mais Martin... Quand un être humain ne pense qu'à lui, il ne peut que rester solitaire. Je veux dire, je ne lui demande pas de croire en Dieu, comme moi. Mais il faut tout de même avoir foi en quelque chose dans ce monde. Monsieur Caro, je tiens votre fils Martin pour un être extrêmement sensible. Et il a foi en quelque chose.
Il a foi en sa musique. Une évidence que j'ai sous-estimée. Ce que je te dois. Laisse tomber. Non. Prends-le, ça me fait plaisir. Je pars en Irlande. Pour que faire? J'ai trouvé un bon boulot. Et une copine. C'est vrai? C'est le bonheur, alors. Sont complètement dans le brouillard. Je dors toute la journée. Et puis j'ai envie de rien. Vos médocs qui sont mortels. C'est toujours comme ça au début. Votre dosage sera réadapté. Vous pensez à une renaissance possible? Expliquez-moi, renaissance. Oh, j'imagine que... que je vais mourir. Ou que je suis déjà mort et que je renaîtrai... en mouche. En éphémère, sous la forme d'éphémère. C'est une super idée, non? Chaque matin, une nouvelle vie. Vous êtes adepte du bouddhisme? Non. Je crois pas, non. Mais va à la clinique! Fais-toi ton idée par toi-même! Vas-y, bon Dieu de merde! Alors, si je peux me permettre, je trouve que Mathilde a raison. Parce que j'ai écouté ces nouveaux trucs, et ça groove. Ce sera sûrement un bon album. Salut, Ika. Salut. Madame Paul m'a déjà prévenu de ton retour chez nous. C'est qui, ça? Ils sont en séjour court, addicts à l'alcool. T'es revenu? Mmh. Ouais. Cool.
Et ça va bien, toi? Cachet de merde. La vieille sorcière, lesquelles elle te donne? Lesquelles elle me donne? Les bleus. Fort ou médium? Les forts. C'est comme moi. Et ça me crève. Ouais, ils sont mortels. Dis-moi, Pete, quand est-ce que tu vas rentrer chez toi? Quoi? Chez moi? Chez ma grand-mère? Je veux pas. C'est quoi ta musique? C'est mon nouvel album. Comment ça va? Très bien. Les pilules sont mortelles. Je dors beaucoup, mais sinon... Comment va Corinna? Bien. On va partir un peu en vacances, ensemble. Ah bon, en vacances? Où ça? À Budapest, voir ma mère. Tu l'embrasseras pour moi, ta mère. Bien sûr. Alice te dit bonjour. Elle a été enthousiasmée par tes nouveaux extraits, et moi aussi. Et le titre? Téton, techno, trompette, c'est top, non? Non? Alice trouve pas ça mauvais, mais elle pense à un titre plus international. Comment ça? Plus international? Berlin Calling, c'est ce qu'elle m'a dit. Berlin Calling. Téton, techno, trompette, c'est plus original. Et elle veut qu'on fasse les photos pour la pochette de l'album ici. Ici, dans la clinique? Mm-hmm. Elle repart dans son trip délire de photos. Tu me manques. Mais c'est mieux pour nous deux, Ika. Crois-moi. Dis-moi, Alice, tu crois pas que c'est un peu ridicule ?
Et puis le titre, il faut qu'on en parle aussi. Berlin Calling, je trouve. Ce sera un visuel formidable. Et Berlin Calling, c'est à coup sûr un très bon titre. Icar, ça a de la classe. Je te jure, ça va rendre. Bon, alors. Madame Ashcroft, si vous pouviez terminer, je ne savais pas que ça durerait aussi longtemps. Oui. 5 minutes, d'accord? Oui, hélas. Quelquefois. Martin, je dois reconnaître que ton traitement s'est déroulé parfaitement bien. Malgré tout, je crois qu'il faut compter avec un retour possible des épisodes schizophréniques, particulièrement en période de stress. Ça veut dire que je sors, alors ? Je n'y vois aucune objection. Mais je te demanderai vraiment de prendre tes médicaments régulièrement et de venir nous voir régulièrement aussi. Oui. Si tu te soustrais à ta prise de médicaments, ça ne peut que te mener à une rechute. Nous en diminuerons progressivement les doses. S'il se passe quoi que ce soit, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure. Le son est... Tu es sûr que tu peux t'en sortir tout seul? T'as l'air à plat. À cause des cachets. Ça supprime les crises des hauts et des bas. Je vais m'en sortir. De même que cet album nous transmet la promesse d'une grande intensité comme une promesse de bonheur. Oula, London Underground Magazine. Berlin Electro, at its best. Qui a connu Icarus dans sa vie de noctambule doit s'attendre à un album Destroy. C'est exactement le contraire. Sa musique projette une clarté obscure, pensée dans les moindres détails. Tu te sens d'attaque pour assurer toute la promo ainsi que la soirée du mix? Et puis la tournée? Je suis d'attaque. T'imagines en plein mix si tu t'endors? Il faut pas annuler. Non, il faut que je monte sur scène. Je veux jouer. J'y arriverai. J'ai besoin du public, voir comment ça groove. J'en suis capable.
faut pas annuler. Génial! T'es à la maison! On vient de faire une virée, et cette nuit, c'est la nuit de ton mix. Hey, je voulais justement te demander pour les invités de ton mix, ça. On peut entrer? On m'a dit que ta copine avait déménagé. T'es en train de tout ranger? Ouais. Qu'est-ce que t'as foutu tout ce temps?
Herbs se dit que tu faisais une tournée en Asie. C'était où tes voyages? C'est quoi ces conneries? Tiens, faut tester, c'est une pure merveille. Où sont les chiottes? À gauche dans le couloir. Super, Ika. 800 euros que tu viens de foutre en l'air. Ika. Arrête de jouer au con. Ika. Je te rembourserai. Avec ma thune. Salut. C'est tout. Ton mix, c'est seulement cette nuit, non? Oui. Mathilde est là. Je peux entrer? T'as pris quelque chose? Non. C'est bon, rentre. Thank you.
charter 2192 à destination de Palerme sont invités à se rendre en salle de départ numéro 45.